ils volent pas. Ces deux petits chiens ont été retrouvés par hasard au bord d'une route. Quelques heures plus tard, les voici confiés aux bénévoles de la SPA. Allez, et cette fois, bonne nouvelle. T'es belle, t'es gentille. Les deux animaux portent une puce et devraient vite retrouver leur propriétaire. Mais bien souvent, l'histoire se termine mal. Depuis le début de l'été, derrière ces grilles, la SPA de Cabourg a recueilli des dizaines de chiens. Des chiens qui sont attachés à un poteau, à la gare par exemple, on en a eu. Des chiens attachés à des poteaux sur la plage, voilà. Donc quand ils ne sont pas identifiés, ben, malheureusement on ne retrouve pas les propriétaires. Des animaux bien souvent abandonnés par leur maître, juste avant les départs en vacances. On est passé de 9 à 45 chiens en 15 jours. Jamais vu. Ouais, c'est par carton et sac de 4-5 chatons. Heureusement à Cabourg, la SPA enregistre un phénomène nouveau. Depuis quelques années, de nombreux touristes viennent au refuge pour adopter les animaux. Comme cette famille venue de l'Eure qui a recueilli ce chien sur un coup de cœur alors qu'elle passait ses vacances sur la côte fleurie. Ça s'est fait tout de suite, nous sommes venus, on a pris Zig un petit peu avec nous pendant une heure, deux heures, trois heures, puis après une semaine et puis on l'a gardé. Zig, lui, a trouvé de nouveaux maîtres, mais au total, la SPA recueille plus de 40 000 animaux chaque été.